Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors plutôt les questions que vous avez posées donc dans l'onglet communauté pour cette foire aux questions numéro 4 qui intervient juste après la fin du mercato et peut-être du mercato pour le coaching puisque vous le voyez sur Twitter, donc Fabrizio Romano. Le célèbre, on va dire, journaliste italien spécialisé dans le mercato, donc, qui nous informe que Fabio Grosso à l'Olympique Lyonnais en tant que nouvel entraîneur, c'est fait. Accord en place ce soir, en attente de préparer les documents, les détails formels et de le faire signer. John Textor voulait Grosso comme candidat surprise. Maintenant, donc, c'est presque terminé. Donc, je crois que c'est Vincent Duluc hier soir dans l'équipe, enfin sur l'équipe TV, a confirmé que Grosso c'était quasiment fait. Bon, faut dire on nous avait dit ça pour Gattuso. Alors Gattuso, on va dire en milieu de semaine était quasiment acté comme nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Choix isolé, si on peut dire, de John Textor qui avait quand même beaucoup surpris en interne, qui avait même, on va le dire, déplu, hein, à la fois de la cellule de recrutement. C'est vrai que c'est étonnant qu'une cellule de recrutement soit consultée sur ce type de décision, mais vu qu'il n'y a pas de directeur sportif, que Santiago Cucci s'occupe des tickets restaurants et que Vincent Ponceau eh bien, s'occupe de l'administratif, les décisions, elles sont prises par Textor lui-même et donc par la cellule de recrutement, mais aussi le board d'Eagle. Et il semble que le board d'Eagle n'était pas du tout favorable à la décision isolée de John Textor et notamment, évidemment, sur Gattuso. Vous-même, je vous avais interrogé par sondage, vous n'étiez pas super convaincu. Je crois qu'il y avait 17% de gens qui étaient pour. On va dire pour l'aspect un peu père fouettard, un petit peu à la Tudor de Gattuso. Vous étiez, je crois, à peu près 30% à attendre de voir, mais quand même beaucoup d'hostilité. Je crois qu'il y avait 58%. Je suis désolé, hein, j'ai supprimé ce sondage. Mais bon, vous n'étiez pas très emballé, mais vous n'étiez pas les seuls, puisque sur les réseaux sociaux, visiblement, il y avait des campagnes très importantes contre Gattuso. Bon, moi, j'étais pas spécialement contre. Hein. De toute façon, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, un entraîneur compétent, ça me suffit. Je n'attends pas du Guardiola. Je n'attends pas du De Zerbi. Je n'attends pas du Jürgen Klopp. Donc, mettez-moi un mec relativement compétent. Et je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on peut faire quelque chose. Donc, vous allez voir que, justement, j'ai fait un sondage sur Grosso et que pour le moment, en tout cas, vous êtes plutôt emballé. Alors avant d'aller plus loin, ben merci à vous, hein, c'est l'occasion quand même dans les FAQ, puisque on va dire j'ai plus de temps pour aborder des sujets un peu annexes. Et donc vous le voyez, 2020, hein, c'est le nombre actuel d'abonnés de la chaîne, donc vraiment merci à tous hein, pour le soutien, plus évidemment tous les donateurs, il y en a eu beaucoup récemment, et vraiment je vous suis très très reconnaissant, parce qu'évidemment, maintenir une chaîne comme ça, c'est beaucoup de boulot, hein. Évidemment, vous voyez le résultat final qui sont des vidéos de 10-15 minutes, parfois plus, mais bon. Mais en amont, croyez-moi, c'est énormément d'investissement sur le plan du temps. Il faut lire énormément de choses pour en sortir la substantifique moelle. Et pendant le mercato, lire énormément d'idioties et faire le tri un peu là-dedans. Pour voir ce qui tient la route et ce qui ne tient pas la route. Vraiment, merci à vous infiniment. Donc, 477 votes pour ce sondage sur Fabio Grosso, coach de l'OL. Alors, je le répète, à cette heure-ci, même si Fabrizio Romano a annoncé que c'était fait, ce n'est pas encore officiel. Donc, pour, vous êtes 58% à être pour, 8% à être contre, hein, ce qui est quand même une toute petite minorité. Et sinon, vous êtes attentiste. Hein. Donc, on va dire, si on veut simplifier, un tiers d'attentiste, 3 cinquièmes pour, et on va dire 10%, enfin 1 sur 10 contre. Bon, globalement, c'est plutôt un accueil chaleureux hein, pour Fabio Grosso, donc ancien de la maison,
francophone, certes pas d'expérience première division en tant que coach, mais qui sort d'une très très bonne saison avec Frosinone. Et donc, je vous renvoie ma vidéo sur le sujet pour voir un petit peu quelles sont les clés tactiques de Fabio Grosso. Mais ce qui marque quand même, c'est surtout une très très bonne défense. Et bah, je sais que ça ne fait pas forcément rêver la défense, mais pour moi, c'est un aspect important du jeu. On est une équipe qui est incapable de faire des clean sheets. Hein. Vous avez même vu dans le match amical contre Auxerre, on prend deux buts. On en met trois, mais on en prend deux. Moi, je me focalise plutôt sur les deux qu'on a encaissés que sur le reste. Donc si déjà on avait une assise défensive correcte, je pense qu'avec les qualités d'attaquants qu'on a, que ce soit Ryan Cherki, Mama Baldé, Alexandre Lacazette et évidemment notre nouvelle petite star Ernest Nuama, qui a d'ailleurs marqué pendant la trêve internationale avec son équipe du Ghana, ben, ça peut faire rêver, même si effectivement le milieu de terrain, là, il va falloir vraiment que Grosso soit très très imaginatif, parce qu'il a énormément de milieux de terrain à disposition, mais il n'y en a aucun qui est bon. Donc ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc il va falloir sans doute faire un jeu plus direct entre les défenseurs, les latéraux et les attaquants, et le milieu de terrain qui soit là essentiellement pour faire le sale boulot, c'est-à-dire récupérer des ballons. Donc de ce point de vue-là, bah justement, on va regarder un petit peu ce que vous avez pensé par rapport à ce milieu de terrain, puisque j'ai fait un autre sondage sur le milieu de terrain. Donc là, 643 votes, hein, vous pouvez continuer à voter, je pense. C'est vrai que les sondages sur YouTube, c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne peut pas mettre vraiment de date limite. Donc ça reste tant que je ne l'enlève pas. Donc vous voyez que vous, bah, vous êtes pour à coup au coup. Bon, ce que je comprends, parce qu'effectivement, il nous faut absolument quelqu'un devant la défense qui fasse un petit peu le ménage, mais on ne sait rien d'à coup au coup. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il a marqué justement un but contre Auxerre, donc c'est bien. Mais sinon, on ne sait pas grand-chose de lui. Et puis derrière, ben là, par contre, vous galérez un peu, mais comme moi. Hein, mais par contre, ce qui évidemment nous surprend énormément, ben, c'est que globalement, Tolisso, vous en avez un peu ras-le-bol. Et ce que je comprends, après, je suis pas forcément aussi sévère, hein, parce que je pense que Tolisso continuera de titulaire. Malheureusement, ben, il bénéficie de son statut de champion du monde, Alors, légende du club, je ne sais pas si on peut dire que c'est une légende du club, mais en tout cas, voilà, une personnalité importante du club. Mais vous n'êtes que 12%, mais c'est très très peu, hein, pour que Tolisso soit titulaire. Comme je l'ai dit ici, bon, je peux proposer que 5 noms dans les sondages, donc j'ai enlevé Le Penant et Alvero. Hein, de toute façon, je ne vois pas du tout ces deux joueurs-là être titulaires. Notre ami Grosso, donc, évolue surtout avec du 4-3-3 et du 4-2-3-1. Donc si on est en 4-3-3, là, bah, on pourrait avoir un milieu de terrain avec Akuoku. Alors ça, c'est votre choix, hein, je le précise. Maxence Caqueret et Larouche, en gros, vous voulez des gars qui courent. Voilà, ça c'est ce que je comprends, puisque Tolisso et Maitland-Niles, qui sont plutôt réputés pour pas beaucoup courir. Alors Maitland-Niles, c'est temporaire, je pense que quand il aura retrouvé sa pleine capacité athlétique, sans doute sera-t-il plus présent physiquement. Mais donc voilà, si on est en 4-2-3-1, et ben ce sera plutôt Akoku Kakré avec Ryan Cherki en 10. Mais on voit qu'Elarouche a vraiment beaucoup de supporters. Mais Maxence Kakré, vous considérez quand même que dans tout le travail obscur de récupération, il est quand même super utile. Mais voyez, bon, c'est pas non plus, comme on dit, la ligne droite de Longchamp entre les deux. Donc vous avez envie de voir Elarouche. Alors moi, je suis moins enthousiaste que vous sur Elarouche. Bon, vous le savez, hein, je suis très attaché à la dimension athlétique des joueurs. Je m'étais agacé sur les mois précédents, justement par rapport au profil athlétique de nos joueurs, hein, les Cacré, les Larouche, les Le Penant, enfin, c'est quand même des joueurs de petite taille. Et moi, je pense que la taille, c'est important au milieu de terrain. Je dis pas qu'il faut que des mecs de 2 mètres comme Alvero, mais disons qu'il faut, voilà, il faut plus de densité physique, parce que justement la Ligue 1, c'est super physique. On jouerait en Espagne, je voudrais pas forcément la même chose, mais en France, bah voilà, il faut des mecs quand même très très costauds et qui, s'ils ont des pieds, on va dire, c'est un plus. Donc voilà, dans un 4-3-3, on aura plutôt votre préférence pour Akoku, Elarouche et Cacré. 4-2-3-1, ce sera Akoku et Cacré avec Elarouche, on va dire, en embuscade.
Alors après cette introduction de 10 minutes, hein, je suis désolé, eh bien on va passer au sujet de la vidéo, c'est-à-dire la foire aux questions. Hein, donc vous le savez, j'aime bien régulièrement vous proposer de me poser des questions. Alors je dis pas forcément que j'ai la vérité, mais bon, vous le savez, j'essaye toujours d'avoir un avis, on va dire, assez équilibré, hein, et pas excessif, même si certains me reprochent d'être excessif avec John Textor, mais bon, après... qu'il fasse des choses sensées et je serai moins sur son dos. Et donc, voilà, on va faire donc cette petite foire aux questions. Enfin, petite, je dis toujours petite, mais elle dure très très longtemps. Alors, Johan me demande, salut Teddy, penses-tu qu'il est complotiste de penser que Textor va démanteler l'OL Group dans son intégralité jusqu'à son stade même, histoire d'en tirer un maximum d'argent? Alors, si on regarde pour l'instant ce qu'a fait John Textor, on peut effectivement se poser ce type de questions, puisque une de ses premières décisions, ça a été de se séparer de l'OL féminin. Ça a été de vendre l'OL Reign, même si bon, l'OL Reign, ça nous paraît très très loin, mais c'est quand même un investissement qui a pris de la valeur. Je ne sais pas si ça rapporte beaucoup d'argent, même si le foot féminin aux États-Unis est très très populaire. Il faut savoir que cette franchise a été acquise par Jean-Michel Aulas pour 4 ou 5 millions et que maintenant elle en vaut 10 ou 12 fois plus. D'ailleurs, elle sera a priori vendue avant la fin de l'année. C'est à craindre qu'il veuille démanteler. On lit ici ou là que l'Arena a des signes qui a été construite pour loger notamment l'ASVEL, mais pour accueillir aussi des spectacles. Ça pourrait être la prochaine vente de John Textor, donc je ne sais pas si ce sera le cas, mais bon, j'entends parler de ça ici ou là. Je ne veux pas lui faire de procès d'intention, mais je ne pense pas que ce soit complotiste de le penser, puisque ses premières décisions, ça a quand même été de se séparer, en plus de choses qui marchaient très très bien, l'OL féminin. Alors lui dit que ça coûte beaucoup d'argent, en précisant que ça coûte 15 millions annuels. Si sur un budget de 250 millions, 15 millions c'est beaucoup, voilà, ça me paraît un petit peu bizarre. Bon, en tout cas, pour l'instant il a fait ça. Est-ce qu'il va faire ça avec la salle? Est-ce qu'il va faire ça avec le stade? Rendez-vous compte quand même, le stade, oui, il vaut beaucoup d'argent. La tentation évidemment serait forte de le vendre pour récupérer les liquidités. Bon, si il fait ça, effectivement, là on peut vraiment parler de démantèlement de l'OL Group. Toutes les activités annexes autour du stade, là aussi on peut imaginer la prise de participation dans l'académie de tennis, enfin bon bref, on peut tout imaginer. Je pense pas que ce soit complotiste, on va attendre de voir ce qui va se passer, mais effectivement je pense que c'est pas fou de penser ça. Alors JMX58 me demande, ne penses-tu pas que la meilleure utilisation de Tolisso serait plutôt en défense centrale dans une défense à 3 au vu du manque de volume de jeu? Alors c'est quelque chose auquel j'avais réfléchi la saison passée, hein. Je me souviens qu'il y avait même un match où on avait beaucoup de blessés en défense centrale, j'avais proposé qu'on descende Tolisso. Il l'a été quelques minutes d'ailleurs sur un match, hein. Je me souviens plus lequel, mais il a été quelques minutes. Moi je pense que c'est pas idiot. J'ai vu des joueurs, notamment Laurent Blanc ou Franck Sauzet, pour ceux qui l'ont connu. Ce sont des joueurs qui ont commencé au milieu de terrain et qui, avec l'âge, sont passés en défense centrale. En plus, avec son physique, hein, Tolisso, c'est 1m82, je pense, quand même très costaud. Imaginez quand même la qualité de relance. Moi, je pense que c'est pas dingue du tout. C'est peut-être une question à développer entre lui et son entraîneur. Je pense qu'il préfère jouer plus haut, mais effectivement, dans une trajectoire à la Blanc-Sauzé, ça me paraît pas fou. Peut-être que ça va se faire, je ne sais pas, parce qu'effectivement, si on regarde, nos défenseurs centraux sont quand même pas terribles. Toi, tu l'imagines dans une défense à 3, ce qui est une bonne idée, mais peut-être même dans une défense à 2, hein. Ça me paraît pas fou. À la limite, je me dis, imaginons qu'on arrive à le développer sur ce poste. Quand Lovren est blessé, ou pour l'associer avec Lovren, en tout cas pour moi c'est pas fou de le penser. On verra bien, mais c'est pas fou. Alors Cerber69007, salut Teddy, merci encore pour ton travail sur le mercato. Peux-tu me donner ton avis sur la préparation et la condition physique de l'équipe, pas au niveau du haut de tableau de la Ligue 1, alors que l'on
crée une cellule performance avec le recrutement de Martine Buchette. Alors ça, je suis vraiment totalement d'accord pour m'interroger sur ce sujet, parce que effectivement, j'attendais énormément du recrutement de Buchette pour justement participer à l'amélioration des performances athlétiques des joueurs. J'avais trouvé que la préparation hivernale avait été très bonne parce que on voyait vraiment une équipe qui courait en deuxième partie de saison. Et là, vraiment, mais je suis extrêmement déçu. Je ne sais pas ce qui a totalement foiré cet été parce que nos joueurs, ils n'avancent pas. Hein. La stat, évidemment, elle fait le tour du monde du football. L'OL, c'est l'équipe qui court le moins en Ligue 1 avec des joueurs quand même qui sont rapides. C'est ça qui est étonnant. je suis très 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 déçu. Je m'attendais vraiment à ce que l'équipe, comme ça, avec une préparation estivale, en plus Laurent Blanc nous disait on fait un énorme travail de fond, etc. etc. Et puis on voit les matchs et on voit une équipe de zombies. Franchement, je n'ai pas d'explication. Je ne comprends pas effectivement qu'avec quelqu'un qui est considéré comme au top, comme Martine Buchheit, on est une équipe aussi apathique. Je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est mental, mais quand même, si les mecs sont lessivés dès mois d'août, septembre, ça annonce pas de grand chose pour la suite. Donc je ne comprends pas, je ne comprends pas du tout ce problème physique de nos joueurs. Alors Chris, lui me demande quel entraîneur tu verrais pour remplacer Blanc, merci pour ton taf. Alors, maintenant, j'ai plus tellement à m'interroger. Évidemment, Fabio Grosso devrait être notre entraîneur. Mais comme je l'ai dit et je le répète, hein, pour moi, l'entraîneur, il n'a pas une importance absolument capitale. Je pense qu'un mauvais entraîneur peut vous entraîner très très bas, tout simplement parce qu'il n'aura pas l'adhésion de son groupe, il fera des conneries, il fera pas la bonne équipe, etc. etc. Il ne saura pas s'adapter pendant les matchs. Mais moi déjà, je demande un entraîneur compétent qui ne soit pas farfelu. Pour moi, ça me suffit. Après, on n'est pas, vu la situation du club, on n'est pas tellement en position, et en plus en cours de saison, de trouver des entraîneurs top niveau. Les Nagelsmann, les Antonio Conte, évidemment, moi je rêverais de les avoir à Lyon parce que dans des styles totalement différents et opposés, je pense qu'ils pourraient apporter là pour le coup vraiment un plus. Mais sinon, je dirais, à part le top, bon, c'est tous les entraîneurs qu'on connaît déjà. Et puis le très bas, ça aussi, c'est des entraîneurs qu'on connaît. Il y a toute une, on va dire, toute une strate d'entraîneurs qui, pour moi, font pas tellement la différence. Hein. Moi, j'étais entraîneur, j'ai été joueur, alors pas au foot, mais au basketball. Et très sincèrement, ce sont les joueurs sur le terrain qui font le taf. C'est pour ça que moi je suis plutôt mesuré avec les entraîneurs. Je n'étais pas trop avec Peter Boss, mais je suis plutôt mesuré avec les entraîneurs parce que pour moi le truc ce sera toujours les joueurs. Alors Okina, que je salue particulièrement puisqu'il fait partie des donateurs. Alors salut Teddy, je n'ai pas du tout confiance en Textor, mais au regard des résultats de ces deux autres clubs, Molenbeek et Botafogo, je me dis que les résultats sont là. Ce qui me fait encore espérer une amélioration de notre situation pour la fin de saison. Est-ce que tu partages aussi ce sentiment? Alors, tu dois bien te douter que ma réponse ne va pas être aussi positive sur John Textor. Je pense que, bon, alors Molenbeek, effectivement, ils sont montés de deuxième division à première division et Botafogo est leader du championnat brésilien. Mais je pense qu'on n'est pas du tout dans la même cour. Le championnat brésilien est de très 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 faible niveau et en fait il n'y a absolument aucune star qui évolue dans ce championnat brésilien, donc monter une équipe relativement cohérente, ça peut suffire pour gagner le championnat. Bon, on voit bien que tous les bons brésiliens ils quittent le Brésil extrêmement jeunes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des doutes hein, sur, on va dire, le projet Textor d'acheter plein de joueurs en Amérique du Sud, de les développer à Botafogo pour qu'ils viennent à l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, le seul qui est venu chez nous, c'est Jeffinho, et on voit ce que ça donne. Et je pense que tous les clubs européens, les Barcelone, les clubs anglais, etc., ils connaissent parfaitement ce championnat. Et croyez-moi, un gamin, si vous lui dites... tu vas aller au Barça, à Liverpool ou à l'Olympique Lyonnais,
À mon avis, son choix sera vite fait. Rappelez-vous même Joe Gomez, qui préfère aller à Wolverhampton qu'à l'Olympique Lyonnais. Donc bon, je pense que c'est très difficile la Ligue 1 parce qu'il y a énormément de concurrence. Il y a déjà le Paris Saint-Germain. Et donc on est sur des rapports financiers absolument fous. C'est-à-dire que je ne connais pas les budgets au Brésil, mais je pense que Botafogo, il n'a pas une différence de budget aussi importante que nous, par exemple, avec le Paris Saint-Germain, qui avait un budget 3 ou 4 fois supérieur. Je crois que Botafogo, le budget, il doit être à 40 ou 50 millions. Donc, il n'y a pas de club au Brésil qui est à 200 millions de budget. Donc, je pense que, à vrai dire, je ne suis pas certain que ce soit les choix de John Textor qui aient amené ces clubs au succès. Alors oui, il a signé Luis Castro, il a signé des joueurs là-bas, donc bravo à lui. Mais tout ça, ça se fait à bas prix, hein, si on compare par rapport à l'Europe. Regardez les joueurs qu'on a recrutés cet été, regardez le coach, même les coachs sur lesquels on est et ceux qui nous disent non. Il me semble qu'en France, c'est quand même beaucoup plus difficile de montrer une équipe compétitive. Parce que les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. Et imaginez, en Angleterre, c'est encore pire, puisque là, il va falloir multiplier les montants par 4 ou 5. Donc, non, je ne pense pas, en tout cas, moi, c'est ma vision, je ne pense pas que ces succès relatifs à Molenbeek, puisqu'on était quand même en deuxième division, c'est comme si on disait, bah tiens, le président de Metz qui a réussi à faire monter son équipe, on va le nommer à l'Olympique Lyonnais, il fera pareil en Ligue 1. Donc je ne pense pas qu'on puisse transférer ça. Botafogo, bon, c'est supérieur à Molenbeek, mais dans un championnat qui, comme je le dis, est, on va dire, très homogène. En France et en Europe, les championnats sont pas très homogènes. Vous avez des clubs qui sont tellement au-dessus des autres que c'est difficile. Et nous, on est censé faire partie de ces clubs très au-dessus des autres avec notre budget. Et on voit que bah, ça fait 4 ans qu'on est entre la 4e et la 8e place et que cette saison, on est dernier du championnat. Donc moi, je ne fais pas d'automatisation entre ces succès, si l'on peut dire. Botafogo s'en est un incontestablement. Et ce qui peut se passer en France, que ce qui m'avait laissé de l'espoir, c'était justement la nomination de Buchheit et de Mathieu Louis-Jean, qui pour moi étaient des gens de qualité. Mais aussi qualiteux que vous soyez, si les moyens qu'on vous donne ne sont pas à la hauteur, vous aurez du mal à performer. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement à l'OL. Alors Pascal me demande, Teddy, quelles sont les différentes causes de la descente aux enfers de l'OL? Je dirais surtout depuis le départ de Genesio et Garcia. Et même depuis 2011, tout à chacun aura bien sûr aussi ses arguments. Alors, les causes, bah, elles sont multiples, hein. Il y a eu effectivement... à partir de 2011, des investissements assumés sur les infrastructures, hein, le Grand Stade, l'OL Valley, en plus depuis on a rajouté l'Arena. Donc évidemment l'argent que vous mettez dans ces infrastructures, vous ne pouvez pas vraiment les mettre dans le recrutement. On a quand même eu la chance d'avoir une magnifique génération avec les Lacazette, Tolisso, Lopez, Ferry, Gonalon, etc., etc., Umtiti. Donc tout ça, ça nous a permis quand même de rester dans le top 4. Et puis évidemment, le tournant, ça a été le départ de Genesio. Je pense que nommer Juninho a été une grosse erreur, puisqu'il s'est trompé sur son premier coach, hein, puisqu'il avait pris Silvinho. Silvinho, 10 matchs, 1 point de moyenne. Rudy Garcia arrive, à mon avis, c'était le bon choix. Malheureusement, bon, bah, vous le savez, hein, la saison a été écourtée à cause du Covid. Donc cette saison-là, on finit 7e. La saison, on réussit aussi à aller en demi-finale de Ligue des Champions, hein, ce qui est quand même pas rien, hein, en éliminant Manchester City, certes sur un seul match, et la Juventus sur un aller-retour. Rudy Garcia enchaîne avec une saison correcte, hein, rappelez-vous. On est champion d'automne et on finit 4e. C'est vrai que ça joue sur peu de choses sur les derniers matchs. Bon, là aussi, hein, j'en voulais beaucoup plus aux joueurs qu'à Rudy Garcia. Bon, Garcia Juninho, ça a été le clash permanent. Donc Garcia est parti. Juninho, à mon avis, a fait une autre erreur en nommant Peter Boss, coach, on va dire, un peu expérimental. Or, je pense qu'on a besoin de coachs référencés, hein, j'en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, donc je pense que Peter Boss a fait énormément de mal.
Il a fait rêver les supporters, mais moi, il me faisait pas rêver du tout. Dès le début, d'ailleurs, j'aurais préféré nettement qu'on garde Garcia ou qu'on prenne, rappelez-vous, à l'époque, pour remplacer Rudy Garcia, il y avait Christophe Galtier. Donc j'aurais nettement préféré Christophe Galtier. Et je pense que on n'aurait pas enchaîné les saisons suivantes. Je crois que les gens ont une vision un peu décalée de Peter Boss. Les gens oublient que avec Lucas Paqueta et Guimarães au milieu de terrain, on est 13e à la trêve hivernale. 13e. Je crois que les gens, ils ont oublié quand même. Et on finit 8e. Il enchaîne la saison avant Laurent Blanc. Donc, c'est tout simplement des erreurs de personne. Et je pense que la première erreur, c'était Juninho, qui est évidemment un joueur magnifique. Je pense une très belle personne. Mais qui n'avait pas du tout l'expérience pour être directeur sportif. On voit bien que lui aussi, il prenait des joueurs qu'il connaissait de nom, comme des Shaqiri, comme des Boateng, mais il allait surtout recruter au Brésil. Alors, Paqueta, Guimarães, formidable, mais Jean Lucas, Camilo, Enrique, bon, on l'aime bien Enrique, mais enfin, c'est quand même pas du très haut niveau. Voilà, je pense qu'il y a eu des erreurs de personnes. Il y a eu des erreurs aussi de Jean-Michel Aulas, il faut le dire. Il a construit un budget qui impliquait obligatoirement une qualification européenne et en Ligue des Champions surtout. Je rappelle que Ligue des Champions, ça rapporte entre 60 et 80 millions. Donc quand vous ne l'avez pas dans le budget, ça fait mal. Il y avait aussi donc les ventes de joueurs. Alors, si vous qualifiez en Ligue des Champions, vous êtes obligé de moins vendre, mais si vous ne vous qualifiez pas, vous êtes obligé de vendre plus. Et donc, si vous vendez plus, à chaque fois que vous avez des joueurs qui explosent, vous êtes obligé de les vendre. Donc, fatalement, vous plombez votre équipe. Alors, à une époque, on arrivait à vendre des joueurs chers et à les remplacer. Je rappelle Tanguy Ndombele 60 millions, Ferland Mendy 50. Même Touzard était parti à plus de 20 millions. Enfin bon, bref, on arrivait à bien vendre, mais on remplaçait avec des joueurs de qualité. Et depuis 2-3 ans, les joueurs partent, mais ils ne sont pas remplacés. Alors pour obtenir Lacazette, on lui a proposé des conditions salariales absolument folles. Si on savait exactement ce que gagne Lacazette, je crois qu'on serait choqué. Idem pour Tolisso, mais aussi pour Lovren. Lovren, je crains malheureusement, et je ne l'espère pas, mais je crains que ça devienne notre nouveau Boateng, c'est-à-dire un joueur extrêmement bien payé, mais qui n'est pas là. Alors lui, non pas parce qu'il joue mal, mais parce qu'il est blessé. Tout ça, évidemment, plus le Covid, qui nous a privés de recettes pendant longtemps, plus Mediapro, même si bon, l'OL, c'est pas un club qui, on va dire, dépend beaucoup des droits télé nationaux. Et bon, quand vous mettez tout ça dans un shaker, on a commencé à devoir emprunter pour pouvoir payer des dépenses courantes. Et c'est là le début de la fin. C'est quand vous commencez à faire des emprunts pour payer vos dépenses courantes. Et il y a les dettes pour les infrastructures, il y a les dettes qu'on a réalisées pour payer nos dépenses courantes, les ventes de nos meilleurs joueurs systématiquement. Donc tout ça, vous faites un shaker, vous secouez et vous avez l'OL d'aujourd'hui. Alors, je suis souvent critique sur John Textor, mais par contre, ce que je veux bien reconnaître, je pense qu'il était trop vite dans cette réforme. Je pense qu'il est absolument important de revoir la grille salariale de l'Olympique lyonnais parce que, en fait, il y a les dettes, mais bon, les dettes, on va dire, ça se rembourse. Mais surtout, il y a les dépenses courantes et notamment les dépenses de salaire qui, à l'Olympique lyonnais, sont beaucoup, beaucoup trop élevées. Je ferai une vidéo dès que possible sur les finances de l'OL, l'exercice qui s'est clôturé en juin 2023. Et vous verrez que le poste salaire était absolument gargantuesque et que malgré les départs de gros salaires, il reste très très élevé. Je pense qu'un club qui est déjà très endetté comme le nôtre ne peut pas se permettre d'avoir des dépenses courantes aussi importantes. Donc il faudra vraiment, je pense, pour retrouver beaucoup de flexibilité dans notre effectif, attendre 2025, puisqu'en 2025, vous aurez Lacazette, Lopez, Lovren, trois salaires monstrueux qui seront en fin de contrat.
Tolisso faudra attendre une année de plus, et à ce moment-là, il faudra vraiment réfléchir au niveau des salaires qu'on peut donner à l'Olympique lyonnais. Et je pense que John Textor est dans cette démarche, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement, la structure de notre budget, ben, fait que si on veut tenir cette structure budgétaire, il faut absolument vendre les joueurs dès qu'ils sont bons. Et ça, évidemment, on peut bien comprendre que à chaque fois que vous vous séparez de joueurs aussi importants, ben, votre niveau global y baisse. Donc, c'est pas, il n'y a pas vraiment une cause, il y en a beaucoup. Mais en même temps, je veux pas non plus totalement enfoncer Aulas sur la structure du budget, parce que le budget, il a été conçu après qu'on ait fait 22, je crois, 22 années consécutives en Coupe d'Europe. Donc penser qu'on allait continuer à y aller, c'était pas fou. C'était pas fou. C'était risqué, mais c'était pas fou. Seulement, malheureusement pour lui, dès qu'on a commencé à mettre l'engrenage dans le fait de ne pas se qualifier pour les coupes européennes, eh bien, c'est un cercle vicieux. Donc, c'était pas fou, mais c'était extrêmement risqué. Lui, il assumait en vendant des joueurs. John Textor voulait ne pas l'assumer en ne vendant pas de joueurs que finalement il a quand même vendu. Donc, bon, pour l'avenir, je pense qu'il va falloir attendre cette saison, peut-être la saison prochaine, pour voir quelles sont on va dire, les ambitions réelles de John Textor. Voilà, ça fait 30 minutes, donc je vais m'arrêter pour cette première partie de la FAQ. Si je fais 1 heure, je pense que personne n'ira au bout. Donc je vais faire 2 fois 30 minutes. Donc on se retrouve très rapidement pour la deuxième partie de cette FAQ.